Journée d'information au CHU de Pointe-à-Pitre pour prendre le cancer à la gorge. Les professionnels de santé ont informé la population sur ces cancers qui ne présentent pas de signes avant-coureurs. Le reportage de Nathalie Dinan et de Moïse Dexter est à venir. Il s'agit de l'un des rendez-vous les plus importants du secteur touristique. Le Salon international du tourisme Top Reza bat son plein à la porte de Versailles à Paris. La Guadeloupe y est représentée. Elle compte jouer à fond la carte de l'Hexagone, son marché de prédilection. On peut manger équilibré et à petit prix. La Banque alimentaire a organisé sur ce thème un séminaire à Grand-Bourg de Marie-Galante. Le reportage de Karen Diamin qui nous montrera que les Marie-Galantais sont des locavores. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Il n'aura fallu aux autorités que 48 heures pour retrouver les auteurs de la violente agression dont a été victime un octogénaire à Capesterre de Marie-Galante dimanche dernier. Arrêtés dès mardi matin, les auteurs sont passés aux aveux. Ils ont été déférés aujourd'hui au parquet de Pointe-à-Pitre. Il s'agit de deux personnes d'une vingtaine d'années originaires de la Grande Galette. Selon des sources concordantes, cet acte était motivé par le vol d'une somme de 4 000 euros qui a été dérobée sur le domicile, au domicile de la victime qui, elle, est toujours hospitalisée, plongée dans un coma artificiel. Son état est jugé stable, mais son pronostic vital reste toujours engagé. Ils ne présentent pas toujours de signes. Les cancers des voies aérodigestives supérieures sont souvent diagnostiqués à un stade tardif, ce qui diminue les chances de survie des patients. C'est pourquoi le service ORL du CHU a voulu sensibiliser la population sur ces cancers sournois. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Dexter. Le cancer des voies aérodigestives supérieures, à savoir de la bouche, du pharynx, du larynx et des sinus, est asymptomatique. Docteur Lubet en sait quelque chose. Il y a 2 ans, après une sensation d'étouffement en dormant, il consulte et on lui diagnostique une masse sur la corde vocale gauche. Il ne fume pas, est sportif, mange équilibré et pourtant... J'étais surpris puisque je n'ai pas eu de symptômes de la gorge. Et c'est là le problème du cancer ORL. Au pharynx. Les symptômes sont bâtards. J'avais un petit amaigrissement progressif. Mais comme j'ai beaucoup d'activité, je n'étais pas étonné. Mais en même temps, lors de l'intervention, lors des biopsies et interventions, on a découvert le cancer de la racine de la langue. Mais moi, je ne suis pas fumeur, je ne suis pas alcoolique, je bois de l'alcool tellement. Donc c'est surtout un problème viral. C'est une papillomatose. La plupart de ces cancers sont diagnostiqués à un stade tardif, ce qui diminue les chances de s'en sortir. C'est un cancer dont les gens n'aiment pas trop parler, parce qu'on a 3 facteurs de risque, mais les 2 facteurs de risque principaux, c'est le tabac et l'alcool. Sur un cancer qui fait, au lieu de faire 1 cm, 2 cm, on peut agir très favorablement avec plus de 90% de survie. Eh bien, si ça fait 5, 6 ou 10 cm, comme on voit parfois, on peut imaginer que dans cette région, la difficulté de les traiter est compliquée, avec des résultats qui sont moins bons. Quand on veut enlever quelque chose de 1 ou 2 cm, on n'est pas mutilant, ça peut se faire sans que ça se voit. Quand il faut enlever quelque chose de 10 cm, vous imaginez bien, vu la surface, que la mutilation peut être importante. Pour les cancers des voies aérodigestives, 5e cancer le plus fréquent en France, il est indispensable d'informer et de sensibiliser la population. C'est pour dire à la population et aux patients que quand ils ont un signe qui paraît tout à fait anodin, comme avoir mal à la gorge, comme avoir un peu le nez bouché, ou mal à l'oreille, ou bien un enrouement de voix, ou encore on peut avoir, les gens se disent « Ah, j'ai une petite boule ici ». Alors tous ces signes, ce sont des signes anodins qui ne sont pas graves, à condition qu'ils ne durent pas dans le temps et qu'ils disparaissent aussi brutalement et vite qu'ils ne sont apparus. Des signes, les mêmes qui vont apparaître progressivement, aller crescendo, ne jamais diminuer, bon, diminuer parfois, mais reprendre, ça nécessite, si ces signes durent plus de 3 semaines en continu, il faut consulter le médecin généraliste. Je ne dis pas par contre que les patients qui sont pris à un stade avancé ne guérissent pas. Certains guérissent, mais ils seront moindres. J'ai bien supporté. Et je dis aussi à ceux qui ont des problèmes de santé en général, en particulier en cancérologie, de garder le moral. Le mental sert beaucoup de ne pas se laisser abattre, de ne pas se coucher comme quelqu'un va mourir demain. Il faut continuer à vivre tranquillement et accepter les soins.
Alors une gêne de la déglutition, une toux persistante, une douleur anormale, n'hésitez pas, allez consulter. Plus de 300 jeunes en formation, étudiants ou à la recherche d'un emploi ont participé au Village Emploi Formation de Saint-Pierre en Martinique, organisé par la mission locale du Nord de l'île. La deuxième édition de ce rendez-vous a réuni une vingtaine de centres de formation pour aider ces jeunes à trouver un emploi. Louise Sabas, d'ATV Martinique. Titulaire d'un BTS, Mike est à la recherche d'un premier emploi. Bonjour monsieur. Bonjour. Originaire de Sainte-Marie, il a traversé le nord de la Martinique afin de tenter sa chance au village emploi formation de Saint-Pierre. Là, j'ai postulé pour le métier de secrétaire comptable. Donc, c'est mon bac pro qui a été mis en avant. Mais je cherche un autre emploi qui met un autre diplôme que j'ai, le BTS, assistant de gestion, plus en avant. C'est très intéressant parce que vraiment, en tant que jeune, des fois, on n'a pas toutes les bases pour pouvoir chercher un emploi nous-mêmes. Des fois, on a besoin d'accompagnement et je trouve que c'est bien tombé. Comme Mike, ils sont plusieurs centaines à venir de toute la Martinique afin de trouver un job, un emploi pérenne ou simplement des informations. Ils apprécient ce type de formule car ce qu'ils recherchent aussi à travers leur démarche, c'est plus de proximité avec leurs interlocuteurs. On est face à l'employeur, là on est en face du travail. C'est à nous de se mettre en place pour trouver le travail. On parle avec le patron, il nous explique, il nous met à l'aise que pour Pôle emploi, on est obligé de passer par le conseiller et après par l'entreprise. Apparemment, l'année dernière, il y en a beaucoup qui ont trouvé quelque chose. Ils sont une cinquantaine de représentants d'organismes de formation et d'entreprises à être présents. Ce type de rencontre leur permet de repérer rapidement d'éventuels collaborateurs. Aujourd'hui, les jeunes que nous avons rencontrés sont assez, je dois dire, sont assez motivés. Je suis satisfait de cette rencontre. Nous avons rencontré une dizaine de jeunes et honnêtement, nous avons probablement des offres à leur proposer. C'est toujours intéressant de recevoir des gens qui sont plus dans cette tranche d'âge. Ils ont un peu d'expérience, mais pas trop. Ils ont des belles perspectives, ils recherchent des postes d'avenir, donc c'est très intéressant. Ce village emploi formation en est à sa seconde édition. Organisé par la mission locale Nord Martinique, il se veut un rendez-vous incontournable pour les jeunes. Le taux de chômage en Martinique est autour de plus de 20%, mais le chômage de jeunes représente près de 60% chômage de jeunes. C'est énorme pour un territoire comme le nôtre. Alors ce type d'initiative est vraiment vital pour le Nord, dans la mesure où c'est vrai que nos jeunes ont de plus en plus de mal à se mobiliser sur le Nord. Nous prenons le pari de faire bouger les choses et de dire aux jeunes qu'il y a des opportunités, qu'il faut qu'ils se positionnent sur ces opportunités-là. Et que voilà, demain, il faut qu'ils décrochent un emploi. Il ne faut pas rester là. Même si l'emploi est sur le centre, les jeunes doivent se mobiliser. L'an dernier, environ 400 jeunes se sont déplacés au village emploi formation. Plus d'une centaine d'entre eux étaient susceptibles d'être embauchés à l'issue de la manifestation. Une dizaine de personnes a manifesté devant le rectorat de la Guyane à Cayenne ce matin, mais aussi devant l'antenne de Saint-Laurent. Un mouvement de soutien aux habitants de Camopi, mobilisé depuis 11 jours. Ils réclament de meilleures conditions de travail dans le secteur de l'éducation. Plus d'explications avec Jonathan Lario d'ATV Guyane. Soutien à Camopi ! Soutien à Camopi ! Soutien à Camopi ! Ils sont peu nombreux, mais leurs motivations sont claires. La situation du village de Camopi doit cesser. Depuis 7h ce matin, une dizaine de manifestants sont postés devant l'entrée du rectorat de Cayenne en soutien aux habitants de Camopi. Nous avons décidé de les soutenir aujourd'hui. Et tout le monde sait la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, que ce soit l'État, que ce soit la CTG, que ce soit la mairie, que ce soit le rectorat. Donc tout le monde doit prendre ses responsabilités. Nous sommes ici aujourd'hui pour les soutenir. Comment se fait-il qu'aujourd'hui nous sommes dans cette situation-là? Parce qu'ils n'ont jamais rien fait. Donc on fait quoi aujourd'hui? Eh ben, nous sommes ici aujourd'hui, on bloque tout. On bloque les Camopiens bloquent justement les écoles et puis ils font leur manifestation. Nous on est ici. Alors la faute à qui? En ce moment en fait on n'est plus à chercher à qui la faute. Aujourd'hui nous sommes là justement pour les soutenir et il faut qu'il y ait absolument qu'ils trouvent une solution. Pour les manifestants, cette situation date de bien longtemps. Aujourd'hui c'est un ras-le-bol qui exprime la population. Les enfants, ça fait une semaine qu'ils ne vont pas à l'école. Manque de professeurs. Et comme on dit, nous, les Amérindiens, on n'a pas demandé à l'éducation pour qu'ils puissent venir chez nous. Tout simplement que nous, les Amérindiens, nous, on était heureux, nous, on était libres. Puis l'éducation, sont venus vers nous, vers la population. Et là, l'éducation là-bas, c'est vraiment de l'inégalité. Le rectorat de Cayenne, mais aussi l'antenne de Saint-Laurent-du-Maroni ont été concernés par cette manifestation.
Et sans changement pour Camopi, il faut s'attendre à avoir le même résultat demain matin. L'assassinat de Yohann Equinox a suscité de nombreux débats et de discussions. Ces réflexions avancent l'idée d'un effondrement des valeurs dans notre société. L'ancienne candidate régionale Mélina Semour a décidé d'agir. Elle propose de créer une école des valeurs. Nous avons souhaité savoir ce que vous pensiez de ce concept. Isabelle Amous est chargée de vous interroger. On vous écoute. Oui, ça sera efficace dans la mesure qu'après l'école, que les parents prennent la relève aussi. Il ne faut pas qu'il n'y ait que l'école seulement, il faut avoir après l'école aussi. C'est très important avec les parents. Bien sûr. Pourquoi ? Par rapport à des enfants, il y a beaucoup d'enfants qui dans la rue, qui font des bêtises et tout ça. Mais il faut avoir ça. Oui, ça sera nécessaire. Pourquoi pas ? Si c'est pour, recadrer les choses, recadrer les jeunes, recadrer... Oui, pourquoi pas ? Moi, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Je vous dis quelque chose que... Moi, à la base, c'est les machins. C'est les parents d'élèves, c'est les parents. Ça commence par les parents, ça commence déjà à la maternelle. Quand vous avez un enfant à la maternelle, il est déjà égoïste, c'est déjà un problème. Ouais. Moi, je n'ai pas eu de papa, moi, j'ai jamais de papa. Et puis, je suis tranquille, moi, je n'ai jamais volé de rien du tout. Absolument. On a trop de violence ici. Trop de violence vis-à-vis des jeunes. Surtout les plus jeunes, en fait, 15 ans. De plus en plus jeunes, je pense que c'est une très bonne idée. Oui, à mon avis, oui, je pense que oui. Toutefois, aujourd'hui, on a besoin de... d'encadrer beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes maintenant. Il y a beaucoup de choses maintenant qu'ils ratent et qu'il faut qu'ils sachent. Je pense que oui, il faudrait créer une école des valeurs, ce serait pas mal. Pourquoi ? Ben, il y a pas mal de violence ici et peut-être éduquer certains serait pas mal. Comme valeur, vraiment la responsabilité de prendre, la responsabilité de prendre le choix de l'un et de l'autre. Vous pensez que les valeurs se perdent de plus en plus en Guadeloupe ? Ah oui, on oublie beaucoup de choses maintenant, beaucoup. Tout en étant qui, même si nous sommes mineurs ou autres, on oublie beaucoup de choses maintenant. La valeur, c'est important, je pense qu'il faut au moins essayer qu'on fasse quelque chose. Notamment le respect des aînés, parce que, et puis le respect entre jeunes aussi, tout simplement, parce qu'on a vu que entre jeunes, il peut y avoir, même à 15 ans, il peut y avoir de grosses violences. Donc oui, ça serait bien d'inculquer des valeurs à la jeunesse parce que c'est eux qui font le monde de demain. Et donc, s'ils sont bien éduqués, ça peut être une solution pour diminuer la violence parce que je pense pas que on pourra éradiquer la violence, mais on pourra la diminuer. Nos enfants sont livrés à eux-mêmes, les parents, ce sont les enfants qui font les enfants. Donc on a l'impression que... Je sais pas. Dans quelle vie qu'on est actuellement. Vous vous rendez compte, un gamin de 15 ans, il va à l'école, pour son portable, il a perdu la vue. C'est dur quand même. Hein? Maintenant, c'est les enfants qui font des enfants. Il y a des gens qui ont 30 ans, ils ont un enfant de 15 ans. Vous croyez qu'ils peuvent élever ces enfants-là? C'est pas possible. Moi, j'ai 60 ans, j'ai des enfants de 30 ans, 37 ans. Oui. Mais c'est pas possible. Moi, je dis que ça vaut pas le coup. On est très matérialiste maintenant. On est devenus matérialistes. On est tous devenus matérialistes. Tout le monde est là pour l'argent. Le matériel, mais l'amour, c'est fini. Pour ma part, non, moi, je pense que c'est aux parents d'éduquer leurs enfants. Et l'école, ça pourrait aider. Voilà, mais il faut qu'on en fasse aussi mettre du sien. Et voilà. Souvent abandonnés dans la nature ou déposés dans des décharges inappropriées, les déchets électriques et électroniques pourront désormais être traités dans une nouvelle usine à la zone industrielle de Jola à Lamantin, l'unique de ce type pour les Antilles-Guyanes. Le reportage est signé Isabelle Amou. Ce n'est pas tous les jours que l'on doit jeter un téléviseur, une perceuse ou un réfrigérateur. Pourtant, ces objets font partie des 12 000 tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques recyclés ici chaque année. Nous traitons en différentes phases. Nous avons déjà les déchets froids, c'est-à-dire tout ce qui est réfrigérateur, congélateur. Donc là, vous avez une première phase de démantèlement à la main. Tous ces réfrigérateurs seront recyclés. D'abord, une première phase de démantèlement manuel de verre et de caoutchouc. Puis sur ce tapis, l'huile et le gaz seront retirés. Alors là, vous avez un broyeur. Donc le frigo, une fois qu'il a été dépollué, va passer dans le broyeur. À la sortie du broyeur, vous avez un système d'overband. Ça veut dire que tout ce qui est métaux ferreux vont être séparés du plastique, des métaux non ferreux et des mousses polyuréthane. Et ensuite, à la sortie, vous avez un système de,
le courant de Foucault qui va séparer cette fois-ci les métaux non ferreux, les plastiques et les mousses polyuréthane. Tous ces éléments deviennent après de la matière première secondaire. Donc le plastique va retourner en plasturgie, l'aluminium va retourner en fonderie pour servir pour tout ce qui est aluminium automobile. La ferraille va servir pour refaire du fer à béton. Voilà, tout va pouvoir être réutilisé. Cette unité de traitement des déchets électroniques est la seule de la Caraïbe. Elle constitue un véritable besoin interrégional à la vue de ces montagnes de déchets de plusieurs mètres de haut. Il y avait un besoin intra-rube, un besoin interrégional, puisque pour les autres îles aussi aux alentours. Donc là, depuis le mois d'avril, nous récupérons aussi les déchets électriques de la Martinique. Nous avons également les déchets de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Et bientôt, nous devrions recevoir les déchets de la Guyane. Un investissement de 4 millions d'euros financé entre autres par l'ADEME, le FEDER et la région, Anti-Environnement Recyclage, est devenu le deuxième exportateur de matières premières secondaires après la banane. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Nous verrons comment manger équilibré avec un petit budget. La Banque alimentaire organisait son dernier séminaire à Marie-Galante sur ce sujet et nous y étions aussi. Et puis nous irons à Paris pour le plus grand rendez-vous de l'année pour les professionnels du tourisme, le Top Resa, où notre archipel était également représenté. Depuis le début de l'année, la Banque alimentaire, avec le concours de la DAF, a organisé des séminaires portant sur l'équilibre alimentaire à petit prix. Le dernier cycle de ce programme a eu lieu aujourd'hui à Marie-Galante. Il pourrait donner lieu à un projet qui s'inscrirait dans la durée. Le reportage de Karen Diamin qui s'est rendue sur place. Dans la continuité de son action sociale, la Banque alimentaire a reçu plus d'une trentaine de personnes de tout horizon. Vous avez des affaires d'emploi dans l'État ? Oui. Vous ne touchez pas le RSA ni la retraite. En leur posant ces questions, la Banque alimentaire établit alors un projet d'accompagnement. Nous avons invité l'ensemble de ces CECAS des trois communes de Marie-Galante, CECAS de Cap-Estère, Grand-Beau et Saint-Louis, et ainsi qu'un certain nombre d'associations. Et les personnes, déjà, on les recense pour savoir combien de personnes qu'on accueille aujourd'hui et avoir leur profil. C'est à des fins statistiques et savoir comment installer nos actions par rapport à ces personnes et dans quelles conditions et quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour les aider. Pendant toute la matinée, plusieurs intervenants se succéderont pour aborder plusieurs thèmes liés à notre alimentation. Une demi-baguette avec merguez, là encore la merguez, c'est quoi le souci? C'est quel type de graisse saturée, de la graisse saturée, pourquoi on l'appelle graisse saturée? Parce qu'elle va encrasser l'intérieur de nos artères, d'accord? Et il y a une différence avec la graisse... Une éducation alimentaire, ce n'est pas dans une matinée et lors d'une seule rencontre qu'on va pouvoir modifier les habitudes alimentaires des personnes, mais compte tenu que nous utilisons, nous recevons et nous redistribuons des produits de l'Europe, ces séminaires permettent d'aider les gens à mieux les consommer et à mieux mettre en place un équilibre alimentaire. Nous avons besoin de ça parce que nous présentons vraiment c'est ne pas manger quoi avant. Avant, bon, là, les vêtements, nous n'avons pas manger comme ça. C'est sûr, et nous avons pièce pour aussi parce que nous travaillons à pied, nous travaillons les scissions à pied, nous travaillons l'école à pied. Et tout le temps, pas de voiture, pas de... Non, pas de ça. Ils sont complètement différents. Et si pas le monde qui a prévu ça, c'est qu'ils n'ont aucun de maladies en Guadeloupe, enfin dans le monde. Outre son enjeu éducatif, ce séminaire servira de support pour l'ouverture prochaine d'une épicerie solidaire. La présence d'une épicerie solidaire sur l'île peut venir en aide justement aux familles qui rencontrent un certain nombre de difficultés, notamment sur le plan du budget. D'accord. Et aussi, l'épicerie solidaire est là pour justement aider ces familles à se procurer le nécessaire alimentaire.
mais aussi éduquer ces personnes au bien manger, justement. Et c'est pour ça que nous sommes au séminaire ce matin, avec une diététicienne qui fait un travail vraiment considérable par rapport à ce phénomène de bien manger. Avec l'ouverture prochaine de cette nouvelle épicerie solidaire, la Banque alimentaire s'inscrit comme acteur majeur dans le combat contre la précarité. Manger équilibré avec des produits locaux reste un luxe pour certains. Tout le monde peut-il, selon vous, manger local? Karen Diama a posé la question au Marie Galantais. On les écoute. Oui, tout le monde peut manger local. Tout le monde devrait manger local. Mais ce n'est pas facile. Parce que bon, le coût est parfois difficile à assumer. Ce n'est pas la facilité, mais ce devrait être le cas, en tout cas. Manger local, si on ne bateau pas arriver, nous faut habiter, manger habiter à nous, quoi. Selon vous, est-ce que tout le monde peut manger local? Mais bien sûr, tout le monde peut manger local. Pourquoi? Parce que c'est la vie du pays. Moi, je mange local hein, quand je suis là. C'est pas trop cher? Non, 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 ça va, c'est abordable. Oui, on peut manger local. Est-ce que c'est pas trop cher? Mais on va s'adapter, hein. De toute façon. Si tout le monde plante quelque chose, même si tout le monde ne plante pas, mais on peut trouver quand même quelque chose à manger, on va y garantir. Ça, c'est une très bonne chose parce que si on arrive à produire nos fruits, nos légumes localement, pourquoi pas? Ce serait une bonne chose. Bien sûr, tout le monde peut manger local. Est-ce que ça n'est pas trop cher? Non, manger local va cher. C'est sous place, ça qu'a trouvé en jardin à Mouna même. Ça manger qui est disponible. On a pensé. Oui, absolument, tout le monde peut manger local. C'est pas trop cher. Marie Galante, enfin. Il faut savoir regarder les prix, enfin. C'est pas tout qui est bon marché, mais il faut quand même regarder qu'est-ce qu'on peut acheter, ce qu'on peut acheter. Avec la concurrence qui sévit en ce moment, bon, les gens préfèrent acheter les trucs congelés, mais lorsqu'on mange local, c'est mieux. Il vaut mieux payer cher pour la qualité et puis pour sa santé. La santé n'a pas de prix, on dit tout souvent. Tout le monde peut manger local. C'est pas trop cher, on peut trouver ça partout? Mais si, on peut trouver ça partout. Évidemment, c'est local, depuis on est petit, on est dedans. C'est nous qui le fait. Et à Marie-Galante, c'est dur de trouver des produits locaux? Non. C'est pas dur, c'est parce que les gens ne cherchent pas. Ils préfèrent acheter local et importer. C'est plus vite. Et avant, c'est ça ce que je me suis élevé. Patates, ziyam, bananes, chaque matin, midi et soir. Ziyam, patates, fouillapé. Dans mon époque. Mais je vois de la soupe à quoi que tout le monde peut manger local. Ça dépend, s'il veut le manger, il peut le manger, pas de problème, parce qu'il y en a tout ça pour l'instant. La Varigane, partout au Guadeloupe, il y en a. Pourquoi tu ne payes pas trop cher? Enfin, la vie, c'est augmenté, la vie est chère, mais quand même, il faut s'adapter avec la vie. Oui, tu fais appétit, mais malgré. Tu te bites. Et ça, beaucoup aussi. Ou quasi, pas trop cher si ma chère. Il part toujours, 2,50€, c'est pas cher. Oui et non, en fait. Par exemple, si tu habites en ville, tu es obligé d'acheter, je sais pas, racines et tout. Donc, c'est plus approprié aux gens qui habitent à la campagne, je pense. Oui, tout le monde peut manger local, mais maintenant, c'est venu commercial. Alors, tout le monde ne peut pas manger, c'est cher. À Paris, la grande messe de l'industrie du tourisme se déroule actuellement à la porte de Versailles. Comme chaque année, le salon Topresa accueille l'ensemble des professionnels du secteur. L'occasion de faire le point sur les destinations tendances. Le comité du tourisme des îles de Guadeloupe y a dressé son stand et invité de nouveaux acteurs du tourisme local pour montrer les étendues de la destination. Le reportage de notre confrère Éric Dupuis d'ATV Paris. 200 mètres carrés de Guadeloupe, à Paris, sur le salon Topresa, ça se rencontre, ça discute et ça réfléchit à une stratégie pour consolider le marché le plus important pour la destination Guadeloupe, la France. Près de 80% de la clientèle provient donc de l'Hexagone et les marchés européens un petit peu en marge mais qui progressent également, l'Allemagne une belle percée grâce notamment à notre représentant sur le marché, mais aussi l'Europe du Nord, hein, la Grande-Bretagne, on voit que ça bouge très très bien et on est aussi là pour saisir de nouvelles opportunités. De nouvelles opportunités, c'est justement ce que recherche cette conciergerie créée il y a seulement 3 ans au Gosier. La responsable n'a pas hésité à investir près de 5 000 € pour sa première présence au salon. C'était un plus par rapport à nos partenaires, c'est un gain de stabilité, c'est un gain de sérieux et ça montre aussi notre évolution vers un marché un peu plus large. C'était aussi une première pour la nouvelle ministre des Outre-mer, la Réunionnaise, a affirmé vouloir accroître la visibilité des Outre-mer au niveau national. Ils
il y a cette opportunité d'être intégré dans les stratégies nationales tout en gardant nos stratégies locales et nos identités régionales. Des stratégies qui doivent s'adapter à la conjoncture. En ce moment, le vacancier part à la dernière minute vers une destination sécurisante. Le client va attendre savoir s'il est vraiment en sécurité pour pouvoir partir. Et nous, finalement, les îles de Guadeloupe se retrouvent être une destination repli pour beaucoup de cette clientèle. La Guadeloupe a attiré 512 000 touristes en 2015 hors croisiéristes, une augmentation de 23% en 4 ans. Le deuxième salon international design et créateur de la Guadeloupe ouvrira ses portes le 30 septembre prochain. Ce salon d'une durée de 3 jours mettra à l'honneur les designers, les créateurs, sur un espace totalement dédié au Memorial Act. Ce matin, une conférence de presse était organisée. On regarde le reportage de Linda Kayarzi. 3 jours intenses pour des collections à couper le souffle. Le temps est donné pour la deuxième édition du salon international design et créateur. Le véritable enjeu, c'est de vraiment d'abord et d'une avoir en Guadeloupe, dans la Caraïbe, un espace qui nous permette, un espace dédié à tout ce qui est design, création. Pas, comment dirais-je, un marché, pas de l'artisanat d'art, mais vraiment des métiers d'art, du design, de l'architecture, de la décoration intérieure, des jeunes créateurs qui ont inventé des choses avec des tissus, avec du cuir, qui ont su utiliser ce qui existait autour d'eux pour en faire des belles pièces. L'occasion de prendre contact également avec les meilleurs professionnels du design de la Caraïbe. Parmi eux, de jeunes talents guadeloupéens, comme Dimitri Zéphir. Étant jeune diplômé, fraîchement diplômé, j'avais déjà ce combat-là déjà en tête, de parler de la culture, de l'histoire créole à travers le design. C'est quelque chose que j'avais fait de mon côté, mais que je n'avais jamais révélé en fait, aux Antilles. Et donc du coup, pour moi, parler des Antilles et d'être un aussi jeune parrain, c'était aussi une façon de démontrer en fait, qu'il y a une jeunesse antillaise, créole, qui a des compétences, qui est une forme de richesse et surtout peut incarner le futur de la Guadeloupe et après bien sûr de le révéler en fait au monde. Cette année, le salon a pour thème une naissance d'un design créole, une thématique interrogative, fil rouge de 3 jours de rencontres et d'échanges. Le terme créole même, il est à revoir dans ce sens-là. Alors je ne sais pas encore comment le définir, alors je préfère parler de caribéen. Et nous avons ce patrimoine commun et nous devons puiser là-dedans, dans notre culture, dans nos rapports, dans nos échanges. Un design caribéen qui va résonner dans un lieu incontournable de la Guadeloupe mais aussi du monde, le Memorial Act. La création est présente au Memorial Act et même la recréation, puisque nous interrogeons l'histoire, nous interrogeons les signes, les traces de l'histoire également, dans ce que ces traces nous concernent aujourd'hui. Et le design, en tout cas ce salon du design, se propose de faire la même chose, de considérer ce qui est notre quotidien, ce qui nous entoure quotidiennement et comment les créateurs l'interprètent, le réinterprètent, le comprennent, l'analysent et nous le restituent. Ce salon de créateurs se veut aussi un concept éco-design, avec notamment le premier concours design de la Caraïbe. Et oui, la Guadeloupe a des talents. Place aux informations pratiques maintenant. Faites des réserves d'eau si vous habitez à Sainte-Anne. La distribution de l'eau sera perturbée demain à partir de 22h. Un retour à la normale est prévu le samedi en début de matinée. Et l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain devant la mairie du Moule de 8h à 12h30. Et enfin, si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0590 71 2 fois ou à nous envoyer un email à notre adresse redaction@atv.gp. Et aussi, vous avez pour les communiquer concernant les associations l'adresse b.fiari@atv.gp ou notre fax le 60 65 63. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.